Vous êtes allé au siège de l'application la plus téléchargée de covoiturage. On imagine qu'en ce moment, ils ont pas mal de boulot, non? Ah oui, c'est une occasion en or pour eux de gagner des inscrits. Regardez, ils avaient bien préparé leur communication. Ils ont accueilli avec un grand écran qu'ils ont installé au milieu de leurs locaux pour nous montrer. Regardez, oh la belle courbe! Le nombre d'inscrits explose. Alors sur Blablacar et Blablabus, c'est-à-dire les trajets longue distance, deux fois plus de réservations que d'habitude. Et sur les covoiturages courte distance, donc les petits trajets du matin et du soir, on a plutôt une multiplication par 10 des inscriptions. Des chiffres très spectaculaires. Alors le gros enjeu pour l'entreprise, c'est de gagner sur les courtes distances. Parce qu'en fait, ils ont une dizaine de millions d'inscrits et 900 000 sur les courtes distances. Donc c'est là qu'ils essayent de gagner. On a regardé le type de message qu'ils recevaient. Et ce qu'on a constaté, c'est que certains profitent de la grève pour changer durablement leurs habitudes. On a quelqu'un qui, par exemple, nous a dit qu'elle avait téléchargé l'application pour les grèves. Et en fait, elle s'est aperçue qu'elle avait trouvé quelqu'un qui faisait exactement les mêmes trajets qu'elle, le matin et le soir, aux mêmes horaires. Et en fait, ils ne se connaissaient pas, ils habitaient juste à côté, ils travaillaient à côté. Ouais, c'est beau, hein, ça fait un peu site de rencontre aussi. Bah, attendez, il y a des amitiés, effectivement, qui peuvent naître, ça peut être sympathique, non? Oui, bah, tout à fait, et c'est pratique, et d'autant plus qu'en ce moment... Ils vont avoir le temps de discuter en voiture. Là. Oui, et vous savez quoi, ils gagnent... Vous avez intérêt à vous sentir. En ce moment, oui, là, ce matin, oui. Et en plus, ils gagnent de l'argent, puisque si vous êtes passager, vous ne payez rien, notamment en Île-de-France pendant les jours de grève, c'est Île-de-France Mobilité, donc il y a un peu d'argent au public aussi qui tire ce business vers le haut. Alors concrètement, Benjamin, oui. Vous allez nous expliquer comment ça se passe, ça ne parle pas peut-être à tout le monde. Est-ce que je peux utiliser donc le covoiturage pour aller au travail ou pour partir en week-end ce soir? Parce que peut-être qu'effectivement, c'est compliqué pour certains. Alors pour le travail, j'ai fait le test avec mon trajet à moi, 15 km, banlieue parisienne, Paris, classique. Je constate que si je m'y prends au dernier moment, si je veux partir ce soir à 18h, j'en ai pas. J'ai pas de conducteur pour m'accompagner. En revanche, lundi à 8h, j'ai 7 conducteurs. Donc la morale, c'est que si vous y prenez en avance, vous pouvez trouver. La question qu'on peut quand même se poser, c'est est-ce qu'il y a assez de conducteurs sur ces applications de courte distance? Forcément, avec une perturbation de cette ampleur, on aura plus de demandes de passagers que d'offres de conducteurs, mais il faut quand même que tous les conducteurs ne roulent pas à vide et proposent leur place libre. Autre question pour le week-end, les longs trajets. Moi, j'ai vu que sur mon trajet Paris-Vannes habituel, il y a plus 3-4 euros. Est-ce que c'est les conducteurs qui en profitent? Voilà. Ou alors est-ce que c'est l'entreprise qui augmente ses commissions? On a posé la question. On ne peut pas proposer plus qu'un certain prix, c'est-à-dire qu'au kilomètre, c'est mesuré. Donc ça ne peut pas aller très très haut. Enfin, ça va être des petites fluctuations de quelques euros, 10 ou 15%, mais enfin, ça ne va pas aller tellement plus loin. Il n'y a aucun changement de grille tarifaire de notre côté. Voilà, donc il faut anticiper. C'était vraiment...